pas, ok, ok. Parfait. C'est pas beau ça? Et manique, waouh. Bon bah bandage, hein, 8 bandages, regarde, c'est gentil. Je suis gang pour la famille, on est baigné. Je suis venu tout droit comme un 46. T'étais pas ready quand j'ai sorti le liquide. Que boulet armé dans la berline. Quitte à prendre 10 ans ferme, je ferai tout ça pour mes frères. On a vécu dans la détresse, mais plus rien nous arrête. Du trafic des kilos de messe qui s'écoule en une semaine. On est ready, go fast point A, go fast point B. On est validé, Black Mafia sous vous, vous dans la berline. On est ready, go fast point A, go fast point B. On est validé, Black Mafia sous vous, vous dans la berline. On peut vous renseigner, messieurs? J'ai ça, ouais, on peut vous renseigner. Dis voilà, c'est ma voiture! Il te l'a volé! Il te l'a volé! Fils de pute! Oh fils de pute! Oh fils de pute! Tu l'auras jamais! Oh le fils de pute! Il va trop vite! Mais il venait pas! Elle est pimpée la voiture! Tu l'avais pas fait! Il a tourné à droite! Il est où? Il est où? Tout droit? Non? Je sais pas, il est où? En même temps, non, je l'avais laissé à côté du truc. C'est quoi ces gens qui volent des voitures? On est en 2021, ça vole des voitures. C'est grave, hein. Appelle l'SPD pour déclarer ton véhicule volé. Ouais, bien sûr. Bah, on sait jamais. Escrète. C'est spécial, regarde. Tu rajoutes un joint et tu passes de 50 à 65 dollars le menu. Vas-y, ça marche. Va prendre ton service, regarde, vas-y. Attends, il y a Baby Drake qui m'appelle. Hello Baby Driver. Ouais, bon Baby gosse. Driver. C'est bon quoi? Ouais, bon tu vois, c'est pas que ta voiture, j'en ai pas vu 15 000. Fils mais... d'épée, il me l'a volé. Non, j'ai fait un quemer avec la bagnole là. Retrouve-la, je te donne 5 000 dollars. Tu me donnes 5 000? Ouais, 5 000, ouais. Voilà. Mais tu sais qu'un bombard, j'arrive pas à la rattrapage moi. Bah, je te donne 10 000. Putain, et cross, ça veut dire le héros. Ok, mais là je l'ai plus dans le viseur, c'était pour le dire que je l'avais vu traîner vers la station essence d'autoroute ouest. Attends, je te rappelle. Amine, pète sa mère. C'est des marins ou pas? Ouais. Tu leur fais payer le double. Attends, j'ai déjà. Non, tu leur dis non, je me suis trompé dans les prix, désolé. Eh, c'est qui? Pourquoi t'as dit à mon cousin Hiro de Puta? Bah, on te rajoute un petit truc, c'est bon. Mais non, et ça veut dire le héros des putes. De quoi? Ça veut dire héros des putes. Voilà, c'est ça, c'est bien, c'est ça, ça veut dire. Allez, hop, toi, je t'embarque direct. Voilà, attrapez-le. Sa mère, aide-moi! Voilà, vous venez, je m'en bats les couilles. T'es un fou, toi, tu traites mon cousin comme ça? C'est Philippe, là, on est d'accord? C'est Philippe, c'était bonsoir, monsieur. Hamid, y'a des clients, frère, s'il te plaît? Ne vous inquiétez pas, il arrive. Viens, Philippe, viens, suis-moi. Si. On va discuter tranquillement. Désolé, Seigneur, ça m'a fait rire. Ton cousin, il savait pas parler espagnol. Ouais, il vient d'arriver, bah oui. Alors moi, je lui ai fait croire, ça veut dire ça, il dit ça à tout le monde maintenant, non, du coup. Vas-y, viens, je t'ouvre la porte. Allez, vas-y, va au fond, on va discuter, toi et moi. C'est ça ton problème, Philippe, tu respecterais personne ici. Qu'est-ce que tu veux? Non. Tu veux que je te tue? Tu veux que je te mette une balle dans la tête? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Non, il veut pas que tu me dises, carrément. Moi, je crois que t'étais un rigolo. Non, c'est faux, regarde, parce que tu m'as envoyé un message la dernière fois. Tu m'as dit, je suis désolé, Seigneur Mathieu, je croyais que tu étais un gars qui faisait le malin. Donc, à partir de ce moment-là, tu savais que j'étais pas un rigolo. Pourquoi tu continues à faire le rigolo? Bah, il savait pas que c'était ton cousin, pareil l'autre. Oui, mais t'as vu qu'on est habillé de la même manière et tout. Tu dis, peut-être c'est quelqu'un de sa famille, peut-être on sait pas, tu vois. Il savait pas, désolé, Seigneur Mathieu. Non, il faut présenter des excuses à mon cousin, Rachid, pas à moi. Des excuses. Rachid. Ah oui, c'est je suis désolé, héros des putains, c'est une insulte. Hein? Ça veut dire ta mère la pute. Bah oui, donc du coup, excuse-moi. Oh, il a insulté ma daronne. Oh putain. Il a insulté ma... Non, c'est pas ce que je voulais dire. C'est juste que vous prenez pas. Alors, c'est pas ce que je voulais dire. Faut aller à part de là. Un bon dégradé. Voilà, en plus, Rachid, qu'est-ce qu'il a fait, Rachid? Il est venu dans mon restaurant, il a tout déglingué. C'est un ouf. Mais je pense c'est ce qu'il était en plus. C'est vraiment attends, bouge pas. Attention. Et bouc. Voilà. Moi, Rouya, quand vous t'y grave bougousse. Moi, reste le bida. Ah là, t'es beau. Voilà, t'es beau. Là, Philippe, t'es beau, tu vois. Eh, Philippe, je voulais pas en arriver là. Je te jure, j'aime pas la hagra. Mais t'es venu une fois dans mon restaurant. T'as tabassé mon restaurant. Tu m'as traité de hijo de puta. Tu reviens normal. Tu croises mon cousin, tu dis Rudy Bouta, j'aime pas le manque de respect, moi, Felipe. Et pourtant, je t'aime bien, regarde. Je te tape sur ton gros crâne, là. Si, voilà, carrément, ça me va bien la coupe de cheveux. T'as raison. Ben oui. Et ton réfé, il est où? Mon réfé, il dort. Il regarde la télé, Netflix. Mais Roya, mais attends, mais tu veux pas lui dire de devenir un peu de bousiller le cul, là? À chaque fois, je te croise avec l'autre, là, le pequeño, là. Qu'est-ce qui se passe? Les autres, ils sont où? Bah, les autres, ils tournent, ils veulent attraper les anakis, là. Ah, bah, ils sont là, ils sont au Burger Shot. Ouais.
Il y a un grande, il y a un commandante, il y a Memo. Ah bah voilà, bah dis-lui de venir, comme ça on va discuter. C'est. Vas-y, tourne-toi. C'est. Il va pas les dire. Voilà, et arrête tes bêtises, arrête d'insulter les gens ici, oh là. Voilà, j'arrête. Des potas, ça veut dire insulter des darons quand même. Ah ouais. C'est, voilà. On était au local. Tu peux venir au Bargachat, le patron du bagar, il veut te parler. Allez, sors. Philippe. Putain, j'en ressemble à un crâne. Roya, il est pas beau comme ça? Sans faire exprès, j'ai tué son pote. Client, service. Oh mon dieu. Bonsoir, hey, t'as vu, on vend des burgers et en plus, regarde, on fait des coupes de cheveux. Il est où son pote? Là, il y avait tous ses potes qui descendaient là. Hein? Ils sont où? Là, ils tournent en voiture là, ils cherchent. Ils cherchent quoi? Quelqu'un qui a tué leur pote. Non, dis-leur de venir ici, on va discuter s'il te plaît, Philippe. Que j'ai laissé. Ouais, Philippe. Ah, va les appeler, Philippe là. Il les appelle. Vas-y, appelle les. Venez au burger. Venez au burger. Vas-y, Philippe, va là, comme ça ils te voient. Ils sont là. Va, Philippe, va. Flemmard. Bonjour. Bonsoir, messieurs. Flemmard, Philippe, hein, il est des potes. Voilà, non, on avait une petite discussion avec Philippe parce qu'il a insulté mon cousin de héros des potes. D'ailleurs, les gars, j'ai vu un mec d'entre vous qui était au sol là-bas. Oh là là, je crois que c'était un chinois, il l'avait tapé, je suis pas sûr. Il est où Hamid? Le problème qu'il y a eu avec Philippe, c'est quoi qui s'est passé? Le problème, déjà, c'est que la semaine dernière, il me semble, non, il y a 3-4 jours, il est venu, il a tabassé tout ici, puis il a voulu faire passer un message, voilà. Comme quoi j'étais un fils des putes. Bon, je sais pas pourquoi, mais bon, voilà. Et aujourd'hui, il vient, et il traite mon cousin de roux des putains. Et ça, je trouve pas ça drôle devant les clients. Non, c'est pas vrai. Voilà, tout simplement. Et seigneur, vous êtes Mathieu Khenez, PDG du Burger Shot. Okay. Et vous? Moi, c'est Memo. Memo? Nemo, comme le petit chien là. Nemo, comme le poisson. Memo avec un M. Ah, Memo. C'est un moyen Memo technique. D'accord. De reconnaître. J'aimerais savoir, Memo, si vous êtes au courant du fait que vous êtes venu il y a quelques jours pour un peu saccager mon restaurant, parce que c'est pas la première fois que les gens viennent. Moi, ça me casse les couilles. Il y a les Japonais, il y a les Italiens. Vous savez, mes hommes, moi, je les envoie les faire de la plata. La façon dont ils la font, tant qu'ils me la ramènent, j'en ai rien à foutre. D'accord, mais quel est l'intérêt de saccager un restaurant et elle est où la plata là-dedans, s'il te plaît? Ah, seigneur, tu crois que les enfants, ils mangent comment? Ils mangent comment quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ils vont manger quoi? C'est vont manger les murs? Les hermanos qui sont venus ici, qu'est-ce que vous avez pris exactement? La seule fois où je suis venu, j'ai pris des menus. Non. Parce que nous, on n'est pas de J'ai des ici. Employés qui ont porté plainte. Voilà, il y a des mecs qui sont venus en bleu, qui sont proclamés de la Mara. Je pense pas qu'il y a un milliard de maras ici, on est d'accord. On est d'accord, seigneur, c'est à 100% des hommes. Voilà, et donc ils les ont insultés. Ils m'ont insulté moi de la même sorte. Philippe aujourd'hui il revient, il traite mon cousin d'Hijo di Puta pour aucune raison. Donc dis-moi, elle est où la plata là-dedans? Moi je vois juste du manque de respect. Peut-être que tu vois du manque de respect. Après, comme il t'a dit, moi, quand ils sont venus, ils ont pris des burgers, des menus, etc. Les enfants, quand ils ont ramené les menus, tu aurais dû voir les sourires qu'ils avaient sur les lèvres. Ah, donc en fait, vous venez ici, vous commandez, vous me traitez de fils des putes, c'est ça? Vous êtes schizophrène ou comment ça se passe? Seigneur, regarde, hier. Oh, vous ne savez pas à qui vous parlez, les gars, vraiment. Non, mais et alors? Non, le problème, il n'est pas là, seigneur. Mais non, mais c'est pas ça le problème, vas-y, je t'écoute. Mais moi, j'ai un autre problème aussi, qu'on m'a rapporté tout à l'heure. Apparemment, hier soir, vous êtes venu dans mon barrio et menacé un homme avec une AK-47 ou un truc comme ça. Alors moi, personnellement, j'ai pas menacé, moi, je discutais. Peut-être pas vous, oui, d'accord. Alors après, c'est vrai que ton gars, je sais pas s'il est là ce soir, lui aussi a sorti une arme, on s'est senti menacé, il y avait beaucoup de monde autour de nous, voilà, et peut-être qu'il s'est senti un peu... Mais après, justement, le fait de sortir une AK-47 n'était peut-être pas nécessaire. Et tu vois, là, tu m'expliques que mes hommes sont venus t'insulter ici, et c'est un manque de respect. Ouais. Moi, si tu viens dans mon quartier sortir des armes, je le prends aussi comme un manque de respect. Mais écoute, moi, je suis dans mon restaurant, vous venez me casser les couilles. Donc forcément, je vais vous chercher. Tu vois ce que je veux dire? Mais je te conseille pas de venir me chercher dans mon quartier. Eh ben, je te cherche où? À la CAF? Où ça? Je sais pas, seigneur, tu regardes là, on s'est vu ici. On s'est vu, on discute. Ah, mais Roya, vous passez jamais, on vous voit jamais, c'est un problème. Donc moi, quand les gens me cassent les couilles, moi je vais les chercher directement. Oui, après, c'est pas un manque de respect, au contraire. Oui, je veux que ça cesse. D'accord, le fait que tu viennes dans mon quartier, me dire voilà, j'aimerais que ça cesse. J'aurais apprécié ce geste. Et moi, c'est ce Philippe, on a fait quoi? Oui, d'accord, seigneur, d'accord. Moi, voilà, d'accord. Mais ce qui m'est revenu à l'oreille, seigneur, c'est quoi? C'est qu'un de tes hommes, apparemment, a sorti une arme dans mon quartier. Ouais. Et tu te sentis menacé, c'est normal? Et Armando, je me sens menacé parce que tu me parles, je sors une arme devant toi? C'est pas le même contexte, frère. Mais le contexte est clairement le même. Je suis pas d'accord. En fait, Armando, ce qu'il essaie de dire, c'est que évite de sortir une arme dans notre carrière, dans notre quartier, dans notre barrio. Non, mais merci, j'ai pas besoin de traducteur, frère, j'ai compris. Non, mais j'ai compris. De un, c'est pas moi qui l'ai fait. De deux, j'ai dit à la personne de ne plus le faire. Donc le problème est réglé. Oui, mais alors, cette chose est simple. C'est comme si moi je te disais, ah bah c'est pas moi qui ai braqué ton truc, qui ai saccagé ton restaurant. Je vais lui dire de plus le faire, le problème est réglé aussi alors. Non mais attends. Non mais vous, c'est pas pareil, vous êtes les maras. Nous, on est des restaurateurs, ça n'a absolument rien à voir. Quoi, un restaurateur, c'est dans mon quartier pas le même contexte, avec une arme à feu? Eh bah écoute, va lui poser la question, il est pas là ce soir. Bah ramène-le moi que je lui pose la question. Il est pas là. Bah écoute, je repasserai pour le voir. Eh bah repasse, y'a pas de soucis. Regarde, là tu as été offensé par ce qui s'est passé ces derniers temps.
Moi, j'ai été offensé par ce qui s'est passé hier. Comme tu l'as dit, c'est un de tes gars qui l'a fait. Comme je te le dis, c'est un de mes gars qui l'a fait. On peut dire 1-0, balle au, 0-0, balle au centre. Et on est quitte là-dessus, non? Ok. Bah, ça va. Moi, je voulais juste avoir une discussion. Voilà, c'est, au moins c'est clair. Et la discussion, c'est un clair, je pense. Voilà, parfait. Bah, écoute, nickel. On ne viendra pas saccager ton restaurant. On viendra juste acheter nos petits menus, ramener aux enfants à manger, à boire. C'est bien. Voilà, tranquille. Bah, parfait. Bah, voilà. Bon toutou. C'est exactement ce qu'on joue. Ce que tu vois, voulais. Par contre, le commentaire de ton hermano, ça, par contre, tu vois, ça enlève l'égalité qu'il y a entre nous. Quel commentaire? Le bon toutou. Ça va, c'est une boutade, je voulais pas vous que c'est ça pour va. Ça. Les gars, c'est la rue, ouais. C'est Seigneur. Il faut des boutades, c'est rien aussi, il a dit que c'est une boutade. Seigneur, comme tu dis, la rue, c'est moi. Toi, t'es restaurateur. La rue, c'est moi qui vais te l'expliquer si tu veux. Mais c'est pas comme ça, la rue. Ben vas-y, bah donne-moi des leçons alors. J'ai envie d'apprendre. J'ai envie d'apprendre, moi. Ne manque pas de respect aux personnes qui pourraient te faire du mal. Mais je t'ai dit, apprends-moi. Pas manquer de respect. Apprends-moi. Mais je vous menace pas, vous, Seigneur. Oui, je vous menace pas, vous ne pas manquer de respect depuis tout à l'heure qu'on parle. Par contre, toi, Armano qui m'a dit bon toutou, crois-moi que son visage, il est retenu. C'est bien. Et que. Tu vois, il force. Force, toi, Armano. Donc, soit tu le calmes, ou soit ce qui vient de se dire. Écoute, écoute, écoute. Il vient d'arriver, il est nouveau, il connaît pas encore la rue, c'est normal. Ah, il vient en France, c'est pas la même chose qu'ici, regarde, donc laisse-lui un petit peu de temps et t'inquiète pas. On marche. Bah écoute, dresse-le bien, comme ça tu en feras un bon toutou. Non, mais tu vois, non, là, Seigneur, j'ai utilisé les mots qu'il a employés. Non, il a pas dit dresser, Il a dit bon toutou. Oui, il a dit bon toutou, ben oui. Et qu'est-ce qu'on fait avec les chiens, Seigneur? Eh ben, on donne à manger, donne-lui à manger, croyant. Voilà, ça fait jouer. Tu peux le faire jouer ton toutou. Je peux le faire jouer, je te promets. Mais qu'est-ce que tu fais aussi? Tu le dresses la balle? Ça dépend, il y en a, ils sont pas du tout dressés, croyant. Tu sais, les chiens de la rue, ils sont pas dressés. Nous, on est des chiens de la rue, peut-être. Peut-être un chien de la casse, peut-être. Hein. Non, c'est... chien de la rue, il y a pas de casse ici, croyant. C'est pas pareil. Du coup, il y a quoi? Il y a un partout, il y a 0-0, il y a 1-0, il y a combien? On s'embrasse ou... Il y a 0-0. L'avare, on demande l'avare. On de l'avare? Ok, l'avare. Du coup, c'est qui l'avare? Monsieur Mbappé, ton hors-jeu, voilà, c'est dit. Orgé, bon, 0-0. Bon, bah 0-0. On va au centre, on part sur de bonnes bases. On viendra à votre restaurant, acheter des burgers, des menus, etc. Et si vous devez me parler, vous venez à mon quartier, vous venez tranquillement, on discute, y'a pas de soucis, vous avez bien vu, je sais parler. Eh ben exact, ben Roya, c'est exactement ce que je voulais, Roya. Ah voilà, parfait, toi alors. C'est parfait. Les choses sont dites, c'est parfait. Fais pas de poisson. T'es à Saloué-Gou, à la prochaine. Moi, à la prochaine. Merci les gars. Ce serait bien de prendre une émo là. Roya, je tiens à dire qu'il y a un mec de chez eux au sol en train d'agoniser pas loin. Ah bon? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Eh, moi, je suis un marrant sympa, moi, je m'en bats les couilles des embrouilles, moi, je suis un marrant sympa. Ah, mais nous aussi, on est des mecs sympas, hein. Eh, je te jure, c'est que ça s'embrouille pour de la merde, moi. Mais non, croyez, c'est question de respect, on vient, on saccage mon restaurant, on me traite de fils de pute, moi et mon cousin, tu veux que je fasse quoi? C'est pas normal. C'est pas normal, t'en penses quoi, toi? Non, tu viens, tu saccages mon restaurant, y'a pas de rigolade, Roya. C'est comme je viens dans ton quartier, je rafale tout le monde, tu vas prendre ça pour la rigolade? Moi, ce que je vous propose, c'est que si vous voulez, vous nous payez. Pour l'assurance, on vous brûle votre burger shot, comme ça vous touchez de l'argent. Ah, vas-y, sors. Ouais, je gagne brûle mon burger shot, il est malade ou quoi? Comme ça, on touche l'assurance. Il n'y a pas d'assurance, Roya, c'est rempli l'assurance. Les menus, on donne des joints au mec. Oui, les joints, ils sont dans le stockage, Roya. Ah, j'en ai pas vu encore, Roya. C'en est où? Mais Roya, il y en a plus d'une centaine, Roya. Ah, bah attends, je vais en mettre d'autres alors. Attends, je mets le haut-parleur. Fais gaffe, il y a un Uzi dans le coffre, Roya. Il y a un Uzi dans le coffre, vas-y, c'est bon. Non, ça a oublié. Ah, vas-y, j'ai mis le parleur, Aïs. C'est pas pour toi, ça. Non, mais je peux gratter si vous voulez. Non, t'inquiète. Ça, y a pas... Ouais, vas-y, c'est quoi l'histoire? En gros, on est en guerre avec les familistes, comme vous avez vu, on m'a dit la dernière fois. Ça veut dire qu'on voulait les gifler, comme ça on est tranquille, et après on peut faire la livraison gratuite. Enfin, tranquille. Là, ce soir, là. Bah, en fait, tous les soirs on les gifle. Mais là, frère, apparemment, il y a une grosse descente hier, je les ai soufflé un peu. Bonjour. Mais c'est eux, ils nous ont appelés. Ah, ouais, mais eux, ils sont cons, ça, leur problème. Ils sont sans je crois. Ils perdent 15 armes par jour. Ils veulent continuer, bah ouais. Let's go hein. Bah du coup dans combien de temps? Ouais frère, faites vite quand même là. Vous êtes ouais. Urgent ouais, vous ouais là, là on est prêt là. Ok, vas-y bah j'en parle et je te redis hein. Bonjour monsieur, désolé pour l'attente. Hamid, fais-lui une spéciale s'il te plaît. Bonsoir monsieur, la spéciale monsieur. La spéciale. Attends, je vais juste aller aux toilettes, je vais aller me masturber, j'arrive. Hein? Ah je vais aller me seg, croyez. Envoie des photos, croyez. Envoie-moi tes photos, croyez, wesh. Quoi? Adnan, j'ai mis! Oh merde, je l'ai envoyé à Adnan! Oh merde! Oh, fais chier! Oh merde, il va rien comprendre! Wouah, ça fait du bien! Hein. Oh, ça soulage, regarde! Oh, j'ai perdu 400 grammes, Royal. Ah, c'est trop. Voilà, c'est trop. Ah ouais, Rachid. Oh, j'ai exactement ce qu'il te faut. Mais quoi? Oh, bouge pas. J'ai une meuf, Royal, pour toi. Yes. Allo, salam alaikum. Alaikum salam. Rachida, ça va ou quoi?
ça va et toi? Alhamdoulilah. Dis-moi, j'ai mon cousin avec moi qui s'appelle Rachid. Bon, là que c'est vrai. En fait, il est tout nouveau en ville, il aimerait voilà, visiter un peu. T'es disponible ou pas? Je te paye. Je crois que. Je te paye, je te paye. Touriste, moi, Je te paye 2000. Je te paye 2000 dollars. C'est pas mon problème. 2000 dollars pour que tu le fasses tour de ville. Assistante sociale. 5000 dollars. Je suis pas assistante sociale. Écoute, 5000. Ouais, c'est bien, j'ai gagné 30 000 au casino, on fait comment? Quand? Tout à l'heure, hein. Msrota, c'est haram. Ouais, qu'est-ce que tu crois? Ça me dégoûte. C'est vrai, merde. Une site que je peux pas jouer au casino. Bah voilà, là au moins c'est de l'argent halal et tu fais juste un petit tour de la ville, juste ça. S'il te plaît, rends-moi ce service. Eh sinon, et moi j'ai le bras long, hein, chez RB, hein. Voilà, je l'appelle et tout, fais gaffe, hein. Ce que tu dis. Ouais, j'annule. Annule fort, annule. C'est bon ou pas? C'est bon ou pas? Vas-y, là, je suis un peu occupé là. Vas-y, t'abuses, wesh. Vas-y, juste je fais un truc vite fait. Tu fais quoi? J'ai des petits problèmes avec ma famille. Des petits problèmes avec ta famille? Des petits problèmes? Je sais pas, ils veulent tous se rafaler entre eux. Quoi? Mais wesh, c'est quoi? C'est, t'as une famille de rombo là? Voilà, je comprends pas. Vas-y, bah, rappelle vite. Vas-y. Eh, Rachid, j'ai trouvé une meuf, elle va te faire visiter la ville et tout. Regarde, on a habillé pareil, pas maintenant, après. Trenis, tu peux lui dire s'il te plaît? De quoi? Comment ça? Los Santos, s'il te plaît, il me croit pas. De quoi Los Santos? Ah Roya. Il ressemble à que Kra, Roya. Mister Los Santos serait en face de toi. Voilà. Oui, et Hamid, c'est le deuxième. Deuxième Mister Los Santos, Roya. Eh ouais. D'un moment, faut dire les choses. Vous les avez payés combien? Bah, même pas, on les a juste menacés en vérité. Mais on a juste menacé, c'est pas Hamid, il est pré-race ou pas? Ouais, dans 2 minutes. Ok. 2 minutes? Il y a Phils, il me demande si on va faire un bail ou ils font le. Attends, dis-lui si il a récupéré ma voiture déjà. Dis-moi, t'as récupéré sa voiture ou pas? Bah attends, je vais mettre le haut-parleur, voilà, ça ira plus vite. Vas-y. Ah, désolé. Oh, c'est là-dedans. Phils, t'as retrouvé ma voiture ou pas? Non, j'ai pas retrouvé, mais pourquoi? De toute façon, demain, y a ton assurance, il va te la rembourser, non? Mec, il m'a dit pourquoi, on m'a volé ma voiture, il m'a dit pourquoi. C'était chelou, toi. Ok, mais elle bombarde la caisse, j'essaie de la suivre. Après on fait un bail, t'inquiète, on va montrer c'est quoi la vie, la vraie à mon cousin Rachid. C'est qui ton cousin Rachid Adati? Bah c'est Rachid Bounif. Rachidou, ça marche quelle heure? Une heure en d'un droit? Je sais pas, dans environ une demi-heure, un truc comme ça. Je te laisse gérer le plan, on te rappelle quand c'est bon, ok? Ouais, Rachid, allez, tu vas penser à un plan pour nous, regarde. Hein? 4-4, vite teinté, couchez-vous, ça va Rafale. Oh putain, j'ai flippé. Oh, parce que j'ai fait un documentaire sur Marseille, Roya, j'ai flippé, on l'a. Les gars, vous êtes pas des fins, vraiment. Hein. Voilà, vous deux là, vous êtes morts déjà. Ah ouais, là, vous deux, vous êtes morts, les gars. C'est des ouf. Voilà. Il y a des priorités dans la BR. Vas-y, go, on prend la mule, Roya, et puis on va avoir les balas. Ramène la mule, Roya. Ok. Nous, on prend la félone. Y'en a, go. Ouais, Rachid, je t'ai trouvé une meuf, Roya. Vas-y, après, j'ai un rencard. Ouais, t'as un rencard. Elle m'a dit, oh mais c'est Roya, Kafta, tu te rappelles la meuf Daniela qui veut construire une mosquée qui vend de la coke? Oui. Oh, bah, c'est elle, c'est elle. En fait. Rachida. Rachida, je l'ai revendu pour 40 dollars, tu te rappelles? Ouais. T'as revendu quoi? À une famille? Non, t'inquiète, on parle de. Non, pas une familise, non. C'était chez les familises, mais pas une familise, tu te rappelles pas? Oui, voilà, je me rappelle. Hamid, on bouge vers les balas. Les gars, 300 kilos, 21 000 dollars, on devient des grossistes, sa mère. Hey, j'ai l'impression d'être quelqu'un dans ce monde maintenant. Mais t'es quelqu'un, Roya. Tu vois là, c'est. Regarde les pecs, tu vois les pecs ou pas? Je le sens. Putain, on dirait comme dans les films de gangsters. Wouah! T'es moi. Oh! Putain, comme dans les films. Yo. Ça va quoi les mecs? Ouais. Tranquille. Tiens, ouais, tu peux ouvrir le coffre et leur montrer la marchandise. Ouais, comme vous voyez, à tout là. Aïe. Oh, aïe. Putain. Parfait, je donne la mallette à qui? À moi-même, s'il te plaît. C'est combien? Aïe. Ah ouais, c'est super. C'est de la bonne. Vous pouvez les aider à décharger les frères. Vas-y. Yallah, c'est parti, dans la mule. Du coup, on va où là? On va au niveau du tankage, là où on a pris à côté du Burger Shot. Okay, on va déposer la cam, regarde. Sinon, ça, on le vend nous-mêmes. Hein. Ah, quoi? Okay. Ben ouais. On va se faire attraper. Mais n'importe quoi, regarde. Ou sinon, on dit à des petits de le vendre. En fait, il faut qu'on se trouve une petite équipe qui descend dans la rue. C'est ça. Tu sais, les fils, c'est tout. Il y a moyen, à mon avis. Hein. Ouais. Eh, Hamid, fils, il est pas chaud pour vendre pour nous. Pas du tout. Pourquoi? Je vais t'expliquer, le fils avait ouvert un four. Mais pas jamais fonctionné. Croyez, je crois qu'il aime dire un truc de fou. Oh putain. Je suis mort. Lui aussi, il a voulu ouvrir un four. Ça n'a jamais fonctionné. Ça a duré combien de temps son four? Moins de 24 heures. Ouais, c'est un micro-ondes, ouais, c'est pas un four. Ouais. C'est un grippin. Ici qu'on les met. Ça passe pas.
Bah oui, ça passe pas, Roya. Mais tu crois vraiment qu'il y a un client qui va passer le cul de mule? Il va te dire, chef, mets-moi tout. Mais même pas, oh là, j'ai pas le bouton. Moi j'ai le même, viens. Ah. Oh, Roya, on t'a pas dit de consommer. Roya, je sais pas pourquoi. Oh putain. Les gars, j'ai demandé à les familles s'ils peuvent venir rouler les joints directement et j'attends la réponse. Ok, moi, j'ai 800, moi, j'ai 800 à rouler. Ah. Non, j'ai 800. T'as 800 joints? Ouais, 800 sachets à rouler. Où ça, ils sont où? Au QG. Je t'en ai prévenu. Vas-y, je suis parti, va les chercher, Roya, va les chercher. On a 800 à rouler. Ouais, mais Roya, mais t'es... Ah ouais... C'est qui ça, Akuma? Ouais, Akuma. Il nous laisse faire ça? Ça va, quoi? Mouchi, mouchi. Écoute, je suis énervé, là. Ouf, ça se voit, ça s'entend ta voix, Roya. Ouais, je sais. Bref, je suis énervé parce qu'on prend pour un con. Qui? T'as vu? Tes concurrents à toi. Oh, les Crucial Fix? Ouais. Fils des pétes. Je suis avec Fils toi. Fils des pétes, comme tu dis. Bah écoute, le truc c'est quoi? C'est que dans quelques jours, je vais organiser un rendez-vous avec eux parce qu'ils vont devoir me ramener une cargaison. Et je veux que tu les tapes, d'accord? Oh, stylé. Ce qui va se passer, c'est que vu que t'as des raisons de le faire, ça sera tout à fait naturel, ok? Ouais. Et t'inquiète, je t'achèterai la cargaison, mais moins cher, bien sûr. Ok. Mais les trucs, c'est que... ils sont nombreux, Roya. Nous, on est 4. Écoute, à partir du moment où ils sont d'accord pour que ce soit moi qui devienne un fournisseur de chez eux, je pense qu'ils sont pas si nombreux que ça, tu sais. Okay. Après, est-ce que t'as des grosses couilles? Ça, c'est toi qui as à toi de dire. J'ai des grosses couilles, j'ai une grosse bite. Après, je suis japonais, tu sais, c'est pas un peu compliqué quand même de rivaliser, mais bon, t'as vu. Ouais, t'inquiète, bon. Mais c'est dans combien de temps? À peu près. C'est pas aujourd'hui, comme ça, je te rassure. Donc, ouais. Ça va être dans les jours qui arrivent. Okay. En fait, je vais faire une grosse cargaison. Moi, ce que je veux, c'est que tu viennes, tu chopes la cargaison, tu braques tout le monde, tu repars avec. Si tu veux, je te la rachèterai comme si du moins c'est au prix qui était prévu, d'accord? Ok, ça marche. Est-ce que ça te va ou pas? Ouais, ça me va. Le truc, c'est que tu vas. Enfin, comprends-moi, tu vas pas faire ça tout seul. Il va falloir que tu viennes avec une équipe. Ah, bien sûr, les meilleurs. Ok, je te tiendrai au courant pour le jour exactement et l'heure. Tu feras les choses bien. Vas-y, on fait comme ça, nickel. Vas-y, je te tiendrai au courant. Vas-y. Bonne soirée. Salut. Les gars. Ouais. Fais comme moi, prends les paroles par cœur, après tu fais nanana. Il va te sortir. Alors, fais comme moi, t'apprends les paroles par cœur d'abord, ouais. T'es bête. Les gars, toi. Mais comment tu veux taper des gens avec cette équipe de fous là? Ouais. C'est pas possible, croyant. Rachid, Kefta, Hamid. T'es mal la couleur. T'es mal la taille du rat. C'est mort, oh là. Les mecs. Ouais. 15 ou 20 minutes. Il y a Akuma qui m'a appelé. Attends. Là. Ouais. Il m'a dit en fait, il veut qu'on tape. En gros, il a un rendez-vous avec les Italiens dans quelques jours pour une cargaison. Et en fait, il veut qu'on les tape. Il veut qu'on tape les Italiens, on les braque. C'est chaud. Ouais, je sais, mais Roya. C'est chaud. Combien c'est ils étaient la dernière fois, les Italiens, Roya? Roya! Au bout d'un moment, on a des décisions à prendre dans ce putain de gros. Voilà. Et le seul moyen de pouvoir monter dans l'échelon des gros, c'est de taper les autres. Voilà. Renforcer nos. Voilà, ta gueule, c'est bon. Mais les lunettes. Tiens. Roya, tu m'as trop chauffé aussi, Roya, Lève-toi. Tu m'as trop chauffé, Roya. Ouais, c'est moi, ça fait plaisir. Ouais, du coup, ouais, on va les taper. Mais les gars, faut qu'on fasse une petite équipe, faut qu'on soit surarmé, hein. Vu qu'on sera moins nombreux, faut qu'on soit beaucoup plus agressif qu'eux. Ouais, c'est ça en fait. Roya, la dernière fois, j'ai vu, ça fait des battes de baseball. Roya, le mec qui nous parlait, il avait un PC, s'il te plaît. Ah ouais, ouais, c'est vrai. Rachid, tu vas dormir, tu m'as dit? Ouais, en fait, j'ai de la route. Ah oui, Mskin. Vas-y, Roya, ça marche. D'accord, ça marche, Roya. Voilà que c'était trop cool. Ça m'a fait plaisir, bah moi aussi. Ouais, de loin. Ouais, de loin. Donc là, on fait quoi? Là, on peut faire un braquage. Braquage de quoi? On va pas soulever les Akuma, je crois quoi? Mais c'est pas ce soir, Roya, dans quelques jours. Oh là là, tu vois, ça t'a problème. En fait, il a une mémoire sélective, il choisit les mots qu'il veut. Il a pas de mémoire. Attends, Rachid, il est parti avec un Uzi là. Ah merde, en plus, apparemment, il avait de la roue. Ah, il avait de la roue, t'en vas jamais le revoir. Il a dit à dimanche. Les gars, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a deux voitures qui sont passées là tout à l'heure. Oui, j'ai vu. J'ai vu une voiture noire et une voiture bleue foncée. Noire. Hamid, va ranger la mule et on vient te chercher avec la félone. Vas-y. Kefta. Ah ouais. Le pénis pour toi c'est gratuit. Hein. Pourquoi? Ah ouais, et moi c'est pas gratuit. Merci. Non, Hamid, dis plus un mot, oula, ça fait plaisir, oula. J'ai c'est cool. Pour toi aussi. Ouais, pour les custom, ils vont me faire à zéro. Non, 1,2. Quoi? Comment ça, 1,2? Il m'a dit, je sais pas, il a créé pour Hamid, Kefta, Tobias et Khanez, 1,2. Qui a dit ça? Djibril. Comment ça 1,2 là? Au lieu de se faire 1,5, à mon avis, c'est 1,2 ouais, pour nous. C'est ça. Oh, mais... Et réparation gratuite. Oh,
Ok. Pourquoi ça marche? Parce qu'on est des anciens avec lui, c'est ça? Non. Regarde, regarde, je fais valet custom chez lui, regarde. Mais même, non, c'est parce que je le fournis en bandage. Ah ouais, et moi, ça met les custom, ça compte pas, regarde, des 300 000 par semaine. Bah écoute, je sais pas, moi en tout cas, j'ai des jaloux, quoi. Oui, je suis jaloux, ouais. Tu es jaloux? Ouais, je suis jaloux. T'as vu comment? Bien sûr. Bien sûr, je suis jaloux. Bien. Ta mère, toi, dégage, tu m'as énervé. Bien sûr, je suis jaloux. Je suis jaloux. Si, fils de pute, va, dégage. C'est bon, je suis jaloux, je paye ta câble là. Mais pourquoi t'es jaloux comme ça? Parce que, regarde, attends, moi je paye des 300 000, j'ai même pas le droit à un geste de sa part, à part un doigt d'honneur. Ça va quoi? Le geste de ta part, regarde, il a pas. Ah, c'est bon, ça me casse les couilles! C'est bon, j'en ai marre de cette chaîne de vie, là. C'est normal. Ça arrive, t'inquiète, mais j'ai négocié aussi pour toi, Roya. Ça arrive, mais la prochaine fois que tu vas faire une dinguerie, fais-le proprement, au moins, comme ça on t'entend plus. T'es bien comment je marche maintenant, là, c'est bon. Le mec balèze. C'est bon, là. J'ai même pas mal. J'ai une question. Ouais. Vous avez pas payé, moi, la réparation? Non. Non, on a pas payé. Justement, il a dit non, c'est gratuit pour Hamid. Il a dit c'est gratuit pour Hamid, pas pour les alcooliques. Ouais, il a dit Hamid, c'est ça pour ça que ça j'ai pris un câble. Il a pas dit pour les alcooliques de Hamid. C'est ça, c'est ça. Hamid. Ah, ok. Parfait. C'est pas beau ça? Il m'a niqué. Waouh. Bon, bah, bandage, hein. 8 bandages, regarde, c'est gentil. J'ai la tête qui tourne. Oh, tu veux, on retourne à Bénis. 8 bandages, j'ai dit. Un moment, je crois que c'est Rachid qui est conduiteur, Roya. 8 bandages, gars. Ah, t'abuses, toi. Tu sais que tu peux m'ouvrir directement, Roya. Non, moi je peux pas, en fait. C'est mon GNS. Ah, ouais, putain, lui, on le voit plus, ce fils de chien. Il doit avoir des problèmes en ce moment, je crois. T'en penses quoi de lui en vérité? Lui? En vrai de vrai? Ouais. Bon, là, je l'aimais bien. T'es pas honnête. Oh, j'ai dit oula. Oh. Annule. Dis, j'annule. J'annule. Il est parti du jour au lendemain, je parle de jamais. Voilà, dis les termes. C'est une pute, il t'a lâché. Tu parles de qui? Anas, son Audi, je sais pas quoi là. Anas? Ouais, c'est un gros connard vraiment. Regarde, il était là et. Comme ça. Je l'ai jamais aimé. Qu'est-ce qu'il y a, Anas? Regarde, je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Tu me fais penser à mon ex, regarde, je suis désolé. Non, mais là! Je suis désolé, Roya, j'ai des pulsions en ce moment là. Roya, Kefta? Oh non, dis-moi pas que j'ai enlevé la sécurité. Oh non, je fais une dinguerie. Bon, Hamid, sors. Attends. Sors, Roya. Roya, là on a. Non, mais pas maintenant. Roya, il faut effacer toute preuve, Roya. J'ai vu ça dans un documentaire, Roya. On est obligé. Tu m'as dit ça. On est obligé, Roya. C'est pour ça bien. Désolé, Kefta. On t'aimait bien, Kefta. Voilà. Je t'aimais bien, Kefta. Voilà. Tu sais quoi pour être sûr? Pas dans la tête encore, on sait jamais. C'est donc ça la vie d'artifice. Oh la vache, c'est beau. Pouh, on a eu un petit feu d'artifice. Oh putain, c'est beau, là. C'est de sa faute. C'est de sa faute s'il fait penser à mon ex, Roya. Mais ouais, mais même lui, il fait pas les mots. Voilà. Oh là là. Bon, au moins le corps il brûle, c'est bon, y'a pas de galère. On a laissé aucune trace. Vas-y, on bouge. Ça va, vas-y, quoi. Sors un véhicule, Roya. Et il faut deux ou trois otages. Deux, on sait jamais. Non, trois. Non, trois, on sait jamais. Deux, on sait jamais, Roya. Deux, non, pas trois, deux juste. Vous avez des armes? Ouais. T'as tout ce qu'il faut, sac, truc? J'ai tout ce qu'il faut dans le coffre. On va faire en ville ou on va faire au nord? Envie, dis-lui de préparer un plan, Roya. Il a déjà un plan. Ah, il a déjà un plan, bah parfait alors. Ouais. Bon, il nous faut des victimes là. Soyez rapide, efficace, concis, circoncis. Comme d'hab. On bouge pas. Allez, monte, dépêche-toi. Coupe ta radio, ton téléphone, jette tes armes. Monte tout de suite. Voilà, parfait. Toi aussi, viens avec nous. Viens. Toi aussi, tu montes. Allez, viens. Et toi, ta radio, ton téléphone, tout ça. Allez, tu montes le petit prospect là. Allez, go. Alors, ça faisait quoi, les gars là? Ah, vous avez une balade entre mecs? Ah ouais, y'a pas de meuf chez vous? Comme ça, une balade entre mecs. En cuir et tout. Aucune meuf. Rien. Que des bikers. Ah ouais. Y'a pas de meuf chez vous, les mecs. L'ambiance, c'est quelque chose. Hein. Ça arrive là, ça envoie. Oh de... putain, de t'es mort. Oh là là. Pourquoi t'as laissé ton bateau ici? Mais j'ai oublié, regarde, je t'avais dit de le ranger. Eh bah ouais. Ah les gens, je te jure, y'a plus aucun respect. Hein. Ils respectent plus rien. Bon, mais messieurs, en fait, on vous a pris en otage juste pour faire une petite flicka. On est vraiment désolé pour la gêne occasionnée. J'espère qu'il n'y avait pas vraiment de programme de prévu juste après. Parfait, nickel, bah merci, c'est cool. Parfait, voilà.
Là, les règles du club. C'est quoi les règles du club, s'il te plaît? Il y en a énormément. Ah, mais la plus importante. Pas de meuf. Pas de meuf. Pas de meuf. Que des mecs en cuir. Que des balades entre sgeg. Tu n'en prends pas le biscuit. Allez, go les mecs. Faut descendre. Ouais, faut descendre, on est arrivé. Allez, je te bloque. Quand. Allez, au fond de la box, s'il vous plaît. Allez, on y va. Attends, il faut que je t'envoie elle une photo. Problème, elle a déjà été faite. Ok, c'est parti, on bouge. Allez, on change les mecs. C'est les aléas du direct. Allez, les gars, allez. Go, 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 go. Du coup, c'est quoi la règle numéro 2 chez vous? Je vais pas citer la règle numéro 1. Pop, 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 pop. Ça vient jusqu'à nous. Pop, 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 pop. Il est venu à nous, le mec. Incroyable. Ouais, il est venu jusqu'à nous. Voilà, c'est beau. La tête de l'homme, c'est magnifique. On a besoin de rien faire, c'est trop bien. C'est quoi ton nom, toi, le nouveau? Oh, c'est Wendy. Arrête de chialer, Royan. On va rien faire. Wendy, tu t'appelles? Wendy. Wedji, ça va ou quoi Wedji? Wedji, ça va Wedji. Wedjden, Wedjden. Tu viens d'où Wedji? Ouais, appelez-moi pour Wedjden. Hein. Voilà, c'est Wedjden. Première fois vous faites braquer, monsieur? Oh, ça fait la troisième fois. En ça une va, soirée? Toi, t'es un habitué? Ouais, aucun. Et on attend toujours les flics? Et on attend la police, je crois. Voilà. Ah oui, c'est pas encore là. Ah oui, ok, j'ai compris. Non, les gars, laisse tomber, hein. Je suis en train de voir avec le Weasel là. Il y a une grosse OP dans le nord. Ah ouais c'est le Zbul. C'est le Zbul de fou. Sérieux? Ouais, c'est le Zbul de fou. Hélicoptère, il y a le BIP et tout, laisse tomber. Wouah. Ah, je crois qu'ils ont flingué. Ils ont flingué les Madrazo, les mecs. Mais non. Si. Les poulets, ils ont massacré les Madrazo. Du coup, on fait quoi? On repart à demain ou on attend? Oh, on attend. Vas-y. Tu vas attendre longtemps, quoi? Non, c'est fini, ça y est, ils les ont butés. Ah ouais, ils vont venir avec les mains pleines de sang, les gars. Attends, après vous. Là, ils vont être déterrés, on va dire chicken nuggets pour eux, là. Enculé. Ah les gars, à tout moment ils ont perdu des collègues, ils vont remettre la faute sur nous hein. Oh ils vont vouloir nous péter le cul. Je m'appelle 50. Ouais, ils ont travaillé main dans la main avec le BCSO, c'est beau. Wouah, il y a au moins 5 flics à terre. Oh merde. Ah c'est bon, on remet ça demain. Attends, Weasel News, ils sont en train de retransférer en direct là. Eh ouais, Roya, là j'en compte 3. Oh, il y a v'là les flics à terre hein. C'est le Weasel là. Ah, mais je comprends pas, il nous a dit que c'est le Weasel qui donne les informations et là il nous dit qu'il voit les gens. 6. Il regarde la télé. Les gars, viens, on va dans le nord, on va voir c'est quoi le délire. 7, vas-y, 8. Non, on va. Ouah, il y a au moins 8 flics à terre. Il y a 8 flics à terre. Oh, une quinzaine de cadavres. Je t'ai dit, regarde, il y a que des cadavres partout. Ah ouais. Et voilà, ils vous canardent. Et voilà, ils vous tirent dessus. Mais non. Voilà, ils vous tirent dessus. Jure. Bah oui, bien sûr, il leur tire dessus, wesh. Putain. Il se casse. Il tire sur qui, là? C'est le capitaine de police, c'est Riggs qui vous a tiré dessus pour que vous vous cassez. Mais attends, mais t'es où, toi, Mathieu? C'est Riggs. Mais je suis dans le drone du Weasel, les mecs, je vois tout. Ah, c'est dans le drone du Weasel. Mais oui. Sacré drone, hein. T'es un steward, le pote. Ah ouais, j'ai tout. J'ai encore jamais vu un guépard dans un drone, ça. Mais à ce qui paraît, c'est un truc de fou, hein. Attends, t'es sur la grange toute cassée là? Ouais, la grange toute rouillée. Je te vois, regarde à droite là. Ah, t'es à droite, ouais, je t'ai vu. Ah ouais. Salut. Chauffe les abdos. Hey. Que des abdos. Quoi. Arra, y'a un flic qui confère la grange, Kefta, cache-toi. Oh, il va te rafale. Shehed. Ouais, j'ai une vache, sa mère. Oh, y'a un flic vers vous, y'a un flic vers vous. Recule. Oh là là, attends, non, bougez pas, vous allez... Il va vous... Non, vous ne ferez pas comme ça, bougez pas, les deux. Kefta, t'es où? Les gars, ma voiture, elle a... Comment dirais-je? Ah, quoi? Comment expliquer ça? Faut que j'appelle Ghostbusters, je préfère. Et moi aussi. Toi aussi? Ouais, pareil. Sa grand-mère. Moi, je me cache. Courez. Je crois que c'est volontaire. Hein. Y'a Casper qui m'a pété à ma voiture. C'est tout les mecs. On est cachés dans un buisson, nos voitures elles se sont fait kidnapper. Mais les gars, les Nord c'est dangereux, wesh. Il y a Dumbledore là, il est passé je crois. Franchement vous étiez là Lynch, hein. Sans vous, je sais pas ce qu'on aurait fait. Oh j'ai un véhicule. Comment ça? Non, écoute, c'est un véhicule. Mais voilà, super. Ça veut dire que t'as servi à rien. Super là lui. Ah non, mais pourquoi non, mais c'est très ouvert, j'ai appris. Ouais, ça va toi. Depuis quand tu prends les conseils de 4 ans? Quelle action! J'étais à 2 mètres de! 2 mètres de! Ils ont rien compris! Un vrai professeur!
Mariana. Donc, j'étais là, tranquille. J'arrive, je me faufile, je reste à tous les prendre en photo. Vas-y, donc, Nat. J'entends des chiens de partout. Tu vas prendre ton balai ou pas, là? Non, alors, je t'explique, il s'en mêle pas, là. Là, le camion, là, qui vient d'arriver, s'il vous plaît. Je suis au cœur de l'action, je suis clairement au cœur de l'action, sur la tête. Je suis au cœur de l'action, il a dit. Attends, c'est normal, tu dis pour faire le travail du Wizard News, je comprends pas, là. What? Mais qu'est-ce que tu fais là, Fibs? Hein? Mais en vrai, en fait, mais what the fuck? Qu'est-ce que tu fais là? Mais quoi, c'est les matraques? Mais attendez, mais c'est un truc de ouf là, j'étais en train de planter des patates et vous êtes venu me déranger là? Fils, t'es où? Mais c'est pas possible, il était là, c'est pas possible. Fils, t'es où, frère? Les frères, j'étais en train de planter des patates là, j'étais en train de monter mon poids. Eh les gars, Fils, c'est une poucave, les gars, c'est une poucave. Eh, je suis sur la grange, le vois, il parle aux flics, les gars. Ah, tu veux poquer? Espèce de poucave, va. Eh, plus jamais on travaille avec toi. Non, mais j'ai envie de dégager de mon champ là, parce que je vais péter un câble. Oh, y'a Léonide, ils sont venus. Eh, écoutez, mademoiselle, y'a un drone qui se fait nommer le guépard, c'est une nouvelle version 2021. Il est sur une ferme, une célébrité, et il est en train de me filmer parce que c'est pour mon projet de BTS. Oh la pou. Et on va perdre des clients, Phil, je vais t'enculer. Hein. Je vais t'enculer, Mathieu. Mathieu, je vais te baiser. T'es où? Oh. J'ai vu un ovni tomber. C'est pas grave. Mais allez, la descendance des petits drivers est au plus. C'est mon rêve, les gars. Ah quoi, toi aussi? Non, c'est moi. J'ai oublié mon parachute. Oh, mais ce qui est tombé comme une crêpe. Ah, y'a Filt qui est au sol là. Ah, y'a Hamed aussi là, il est tombé comme une crêpe. On va faire un retour en arrière, man. Comment ça, porte à toi aussi? Les gars, Kefta il se fait sauver avant les Madrazo. Super. Allez, juste pour le plaisir, les gars. Juste pour le plaisir. Ah ouais, ça me dérange.